Monsieur. Monsieur, je voudrais voir le président de la République. Vous avez rendez-vous? Non, je n'ai pas rendez-vous, mais je voudrais le voir, n'est-ce pas? De la part de qui? De la part d'Henri Tizot, il me connaît d'ailleurs, qui vous savez, vous le direz, il me savoir pas ce que... Vous n'avez pas de rendez-vous? Non, j'ai pas de rendez-vous. Alors, c'est monsieur... quand même pas la bonne Dieu, n'est-ce pas? Ah, ce n'est pas possible, le voir, alors, monsieur. Une visite. Pourquoi c'est pas possible? Parce que je vous dis que ce n'est pas possible. Impossible, n'est pas facile, monsieur. Le président de la République ne peut pas vous recevoir si vous n'avez pas... Pourquoi? Si vous lui demandez, il me recevra. Alors, vous êtes... qui vous êtes, vous, monsieur? Je suis huissier, je suis là pour annoncer. Ben, vous ouvrez la porte, vous dites qui vous savez est là et vous verrez. Non, monsieur, ce n'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Je vous dis que ce n'est pas possible. Mais pourquoi voulez-vous le voir? Parce que j'ai des choses importantes à lui dire, d'ailleurs, dans son bien. Vous comprenez qu'il faut qu'on sache, n'est-ce pas? Quoi? Il faut qu'on sache où on va. Il faut qu'on sache où on va. Dans ce pays, personne n'a le courage de dire ce qu'il pense. Je vous en prie. Il faut quand même pas nous renvoyer au calende comme il a fait la dernière conférence de presse, quand même. Alors, il suffit de demander. Alors, on demande et on répond, n'est-ce pas? Mais vous ne pouvez pas le voir. Écoutez, je peux pas le voir. Pourquoi je peux pas le voir? Le président n'est pas là. Ah, il est pas là. Ça, c'est, ça fait 10 fois, moi, que je viens, monsieur. Mais seulement, il y a toujours quelqu'un de différent ici, à ce poste. Alors, on me renvoie toujours à droite, à gauche. Et j'ai déjà mis 3 heures pour me carrer. Oh, je sais ce que oui, c'est. Vous savez ce que c'est. Je sais, je connais le quartier. Justement, alors. Moi, on ne peut pas me renvoyer comme ça. Alors, vous ne pouvez pas voir le président. Laissez-moi pâter, hein. Je vous en prie, je vais appeler la garde républicaine. Parce que je vais appeler la garde. Bon, mais appelez la garde. Mais ça n'est pas possible de voir le président. Non, monsieur. Vous n'avez pas les mêmes parce que moi, je demande un avocat. Non, monsieur. Ah, vous voulez... Taisez-vous. Laissez-moi pâter, monsieur. Allez, il y en a marre. Il y a pas le monsieur. Moi, j'ouvre. Là, voilà. Il est là. Mon Dieu. Là, vous voyez qu'il est là. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui rentre dans mon bureau comme un fou? Bonsoir, bon Dieu. Monsieur général, c'est moi, c'est Tizot que vous parlez, monsieur général. Bon sang de bon Dieu, on s'entend plus! Arrêtez-moi ici! Aidez-moi, bon sang! Le reste la planque, attention! Mon saphir, vous allez me le réveiller! Vous aimez Dalida, mon général? Oui, je l'adore, et alors? Comment êtes-vous rentré ici, vous? Et mon général, je suis entré par la volonté du peuple et puis par la force des choses. Oui, vous plaisiez tout le monde, quoi. En tout cas, je m'aperçois que je suis bien gardé. Payez des gens rien à foutre, bon. Alors, vous êtes là, vous en repariez, essayez-vous. Prenez un X. Ouais. Passez-vous là, vous en priez. Oui, ben, voilà, vous ne brusquez pas comme ça. Bon, alors! Qu'est-ce qui est-il pour votre service? Et voilà, mon général, en un mot, comme en mille, moi, il faut que je sache si vous représentez ou non. Bon, écoutez, mon vieux, je vous promets que vous le saurez. Ah oui, écoutez, mon général, votre dernière conférence, moi, je la connais par cœur, hein, et je ne suis pas plus avancé. Mon général, vous me portez un tour considérable, moi. Vous voudriez saper ma carrière, vous ne feriez pas mieux. Je vous prends un exemple, Cocatrix, hein. Ça fait 3 mois que je lui demande de passer l'Olympia. Eh bien, il me répond, mon vieux, vous le saurez avant décembre, vous me mettez des... Une situation inextricable, alors. Moi, tous mes comptes sont arrêtés. J'ai les impôts qui me tombent en novembre. Puis alors, en février, ça va être le premier tiers provisionnel. On fait en face de tout ça. Alors, Tenez, prenez un bonbon anglais. J'aime pas. Bon, calmez-vous, je vous en prie. Alors, c'est fini, ce gros chagrin. Mouchez-vous. Mais mon vieux, la vérité, c'est pas de ma faute, mais non. Ça fait 3 semaines que je réclame les résultats des analyses médicales, il n'y a pas moyen de les avoir. Vous avez commencé dans ce pays-ci, ah oui, on n'est pas foutu de faire les choses en temps et lieu. Pourquoi vous sentez pas bien? Mais si, un peu de cholestérol comme tout le monde. Mais écoutez, il est quand même normal que votre moitié sache où va son double. Je vous ai fait quand même assez de publicité, il me semble. Renvoyez-moi de la salle-sœur. Vous avez fait la publicité? Oui. Ah ben, il me semble, oui. Bon, admettons. Mais moi, je vous ai jamais réclamé le droit d'auteur. Oh non, si peu, 65% sont tous mes cachets qui vont mon percepteur. Ah ben alors là, mon vieux, si vous êtes venu pour ça, je vous préviens tout de suite que je peux rien y faire, c'est pas mon ressort. Tenez, un autre cas s'est présenté la semaine dernière, la belle-sœur de Mme Marcheron avait passé en dehors des clous, et ben j'ai rien pu faire. Non mais mon général, je vous demande pas de service, c'est simplement, je veux savoir, c'est tout. Moi je veux pas le savoir. Bon, et ben puisque c'est comme ça... Je vous préviens, je fous le camp à Londres. Qu'est-ce que vous irez foutre à Londres? Organiser la résistance. Et moi alors, qu'est-ce que je deviens dans l'histoire? Vous êtes bon. Mais vous irez à l'île Dieu. Voilà. Imitateur. Vous avez pris ma voix, vous voulez prendre ma place? Mais prenez ma femme pendant que vous y êtes. Merci. Si c'est du chantage, vous dites. C'est pas du chantage. Bon, maintenant, vous demandez de vous taire, Tizot. Vous avez compris? Taisez-vous. Silence. Ah, mais moi, je vous dis tout ce que j'ai sur le cœur. Et la vignette, alors? Veuillez la voix, si vous... Ma soeur est au Panthéon, monsieur. Je n'ai pas demandé de votre... Taisez-vous. Et les autoroutes, alors? Tous toujours des problèmes. Non, c'est du remède, monsieur. Vous avez quoi qui parlez, hein? Taisez-vous. Taisez-vous, j'ai compris. Ah, mais taisez-vous. Charles, que se passe-t-il? Bonjour, madame. Les enfants travaillent à côté. Les enfants. Oh, tout de même pas suffisamment un con pour foutre ce que je dis dans leur composition. Oh, il changera jamais. Vous êtes content? Ah ben oui, ben... Et à propos, vous me ferez penser de...
de me signer quelques autographes pour les gosses. Si vous voulez. Je m'en signerai un aussi pour Mme Marcheron. Si vous voulez. Elle vous admire tellement. Bah oui, bah c'est pas de ma faute. Bon alors, finissons-en, mon cher. Alors, Henri. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je me présente. Comme ça, il ne perdront pas tout. Il restera la voix. Je sais parler allemand, comme vous. Je sais parler mexicain. Mexicaine, la mano. Le problème est que c'est présent. Bon, ça va, on reconnaît. Bon, alors, en admettant le pire, que vous pèsiez. Vous croyez capable de former un gouvernement? Mais oui, tout ça c'est réglé. J'ai les gens sous la main, je mets chevalier aux finances et je vous jure qu'avec ce canotier, il aura plus d'allure que votre Gisbert en mode chemise. Je mets Jaunier aux armées. Oui, il aime ça. Oui. Je mets Fernand Reynaud au PET, Massia sera patrié, je mets. Oh, ciseaux, vous venez de me donner une idée. Voilà. Vous organisez un pareil référendum. Ça me sera toujours utile de savoir. Puis ça va énerver Pinet, je le sens. Oui, ça va être une paniquement. Mais alors, je vous préviens, si par hasard vous êtes élu, moi je vous laisse tout. L'Élysée, Yvonne, Colombé, vous prenez un Colombé pour refaire la toiture. Ah. Et puis alors, c'est moi qui passerai à l'Olympia. Et vous préviens qu'il mettrait le paquet. Croyez-moi, je me vendrai bien. Vous ferez du tort. Alors, c'est d'accord. On fait un référendum. Vous envoyez des cartes postales à la France entière. Ça fera marquer les PET. Voilà, vous ferez le pâté de Gaulle ou Tiseau. Aïe, les mentions inutiles. Oh. Et si par hasard, ils veulent garder les deux, on se renvoie toujours. Vous êtes d'accord? Je sais très bien, moi, général. Très bien. Oui, il y a toujours moyen de s'entendre. Ah, ben évidemment. Et d'ailleurs, maintenant que vous ne me le demandez plus, ça y est, mon cher Tiseau, que je n'aime pas qu'on me fasse la main. Ah, oui, c'est vrai. Et ben maintenant, je vais vous le dire. Oui. Si je me présente, ou si je ne me présente pas, venez écouter ici à l'oreille. Voilà, mon vieux. Oui. Elle est bien bonne, hein, Tiseau? Oh oui, alors là, ça, c'est la meilleure. Oui, comme vous dites, c'est la meilleure de l'année. Ils vont pas s'attendre à celle-là. Ah non, ça, tu en vas pas. Absolument. Oh, mon Dieu, mon Dieu.